Pascal, est-ce que vous êtes en fréquence là, pour Rémi, là, en mobile? Ben oui, c'est en fréquence. Attention Gilles, attention Pascal, je suis là, derrière. Eh oh, j'existe, je suis là. Oui, je suis là, je suis en mobile. Si, j'entends, il n'y a pas de problème, mais je croyais que quelqu'un d'autre parlait. Je comprends plus rien. Attention Gilles. Attention Gilles pour Rémi en mobile. Attention Gilles pour Rémi en mobile. Ah, ça, si tout à l'heure ça passait à fond, là par contre c'est plus le cas. Yes, sir. Ah, tu m'entends là Gilles? On se concentre à toi, spécial de moto.
Attention Gilles pour Rémi qui te lance appel là, en mobile ce coup-ci. Jean-Marie, de plus près, je suis remercie Charles, oui. Salut Jean-Marie, c'est Christian là. Allez, je te laisse avec Gilles, à plus. Ah, plus, Jean-Marie, merci. 73 Christian de Rémi. Oh, personne m'entend? Attention Gilles pour Rémi en mobile depuis la ville de Libourne. Voilà, c'est moi, je... en mobile, là, c'est difficile, hein, la propague a drôlement baissé, là, d'un seul coup. Hein. Et c'est passé. Allez, c'est à nouveau rechuté. Ok, affirmatif, voilà, là je suis sur je suis sur Libourne, voilà, sur la rocade de Libourne, direction Bordeaux. Voilà, donc la propague a d'un seul coup drôlement baissé, hein. Ouais, il nous donne ça un peu de travail aujourd'hui, Rémi. Elle fait le yo-yo, mes gars. On va faire avec mon ami. Le principal, c'est qu'on vient à bout de s'entendre par moment, QSL. Affirmatif, là, je suis actuellement en train de faire une petite vidéo. Donc voilà, là, apparemment, les gens aiment bien qu'on fasse des vidéos, là, qu'on est en mobile. Ils voient en même temps, ils profitent du paysage. Là c'est génial, et puis je te repasse le micro. Oui, QSL, oui, QSL, j'adore les paysages. Mais tu vois ce qui arrive ici, la différence avec le QTH9 et le QTH14, quand la propagation nous permet tout ça, nous, ce côté-ci, c'est la température froide, alors que ce QTH14, c'est la température quand même plus ambiante pour les visiteurs.
l'action sur les vidéos et tout. Ici, ça va être la neige, tu vois qu'on a fait sur la place. Mais je crois qu'à l'automne prochain, on va avoir des petites surprises pour vous, là. C'est que TH9 et c'est Rémi QSL. Eh bien, on attend ça avec impatience, hein, c'est clair. Hein. Et on sera là, justement, là, à attendre les grandes oreilles, juste à faire les grandes oreilles, là, pour voir un petit peu là, ce que vous allez nous réserver. Là. Oui, oui, c'est ça. Non, mais j'ai vu que la façon que vous procédez un peu, ça donne des bonnes idées de côté ici. Et puis, comme on a fait tout à l'heure. Au début, octobre, novembre, et puis tout ça. Alors, on fera des excursions de côté ici, et puis même peut-être activation, comme je disais, à certains OM, activation avec peut-être vos prix de présence QSL. Affirmatif, 100% QSL. Je t'avais un petit peu perdu à un moment donné. Bon, c'est bon, j'ai réussi là, à te récupérer là aussitôt. Ah, il n'y a pas de problème. Tu voudrais pas faire un genre style top de camping en plein air pour faire une expédition? Ok, c'est pas grave. Ouais, affirmatif. Là, on va garder la surprise dans ce cas-là pour l'automne. Là, on a hâte de tous voir un peu là ce que vous allez faire là de ce côté-là, là, de votre côté, là, ce que vous allez nous réserver. Mais ça promet être du grandiose. Je ne serais pas étonné que pour l'expédition, tu montes une antenne à 20 mètres de haut. Je ne serais pas surpris. Allez, on dirait que j'ai mis le doigt dessus. Alors, je vais pas trop gratter pour savoir un petit peu ce que... Là, je suis en train d'arriver sur un pont, là. Voilà, là, le niveau, là, ça doit monter. Là, ça doit être bon. Donc, on va pas trop en dire. On va garder la surprise pour l'année prochaine. Eh oui, j'ai passé le pont, là. J'ai passé un pont, là, je suis redescendu. Et je vais attraper l'autoroute direction Bordeaux. Là, je crois que tu m'as perdu ce coup-ci. Rapide, voilà, entre Libourne et Bordeaux. J'ai passé là depuis peu la station Total et là je descends vers Bordeaux là. Tu m'entends bien, Eric? C'est pas très fort, mais oui, là j'ai que la puissance du poste là dans le push, là c'est tout. Hein. Voilà, là j'arrive sur une butte. Voilà, là je suis en haut d'une butte, là ça a dû monter un petit peu. Là. Je suis sur la voie rapide entre Libourne et Bordeaux. Ici la voie des ombres, très agréable,
Et oui, j'ai recopié justement le SMS qu'elle m'a envoyé là tout à l'heure là sur, sur le groupe des tenants. Ah, chi. Là, je crois qu'il faut que je m'attende à tout là maintenant, on sait jamais. C'est pas la première fois qu'elle me fait un coup justement d'un petit passage comme ça là, vite fait là sur les ondes. Ah chi. En plus, toi, tu la connais, donc tu sais qu'elle existe bien et bien, la voix des ondes. Oui. Ah, là, je suis, j'arrive là dans le trou là, de la poste, là, sur la voie rapide. J'entends plus Gilles derrière. Là, de mon côté, on dirait que c'est un petit peu fermé là. Un chi trois coups. Je sens que je vais lui installer un poste avec la PLU dans sa voiture. Ça va certainement réveiller quelques-uns sur les ondes. Tu vois que d'un seul coup, tout le monde va revenir en fréquence. C'est marrant quand, dès qu'il y a une YL en fréquence, hop, ça y est, ça réveille tout le monde. Hachi. Oui, je suis là. Comment ça s'est agi tout à l'heure? T'as vu la petite vidéo de Martin? Non, pas encore. Là, le temps de préparer les affaires, de tout ranger, le matériel, ça, tac. Non, j'ai pas eu le temps, là. Sur le groupe des tenants, non, je suppose. Ah, tu verras sur Facebook, ils vont faire la petite vidéo en disant bonjour à la 14. D'accord, ok. Ah, t'as oublié la personne qui est avec? Oui, c'est le petit renard. Oh, la jolie voix! Comment il va, le petit renard? Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive? Ok, je reprends. Ok, c'est bon. Mais de mon côté aussi, hein, c'est vraiment très très QRP. Heureusement que là, j'ai pas de QRM là, là, ce moment précis. Parce que là, je t'entendrai pas non plus. Hein, les bonnes amitiés retournées. Voilà, je suis dans le mobile. Je suis là, pas très loin de Bricot Dépôt là, sur la voie rapide. Je connais pas, mais j'ai comme dans l'idée que ça fait un bout de route. La concurrence, c'est là au sud, en descendant de Bordeaux, à peu près 80 morts, c'est chose comme ça. Ah, j'imaginais pas autant. Eh ben, vu que la propax s'est refermée d'un seul coup, on dirait là, eh ben ça. C'est quand même bien passé. Ouais, c'est un trop bas là, c'est Castel-Jaloux. D'accord, ok. Ben voilà, là je suis à Artigues, hein, là je viens de passer, je suis en train de passer à côté de Bricot Dépôt. Hein. Ouais, affirmatif, il est moche, ouais.
tout à l'heure, hein, de quelqu'un avec qui j'ai fait une QSO que tu connais très bien, qui travaille chez la même boîte que toi, et qui te connaît. Son prénom, c'est Daniel. Ah ben tu m'étonnes, Senteur, qui ne connaît pas Senteur ici? Ah si, bien sûr que je connais. Et je crois, je sais plus ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il vient samedi j'ai bouffé le nom. Au salon, enfin bref, ou pas, je sais plus. J'ai pas trop compris, hein. Samedi matin, est-ce qu'il nous rejoint ou ne rejoint pas là-bas à Radio Broc? Ouais. Est-ce que samedi matin, Daniel nous rejoint à Radio Broc ou pas? Ok, je te reprends dès que je suis sur le pont d'Aquitaine. J'arrive. Là, je suis en train d'attaquer la montée du pont d'Aquitaine. Oh, je suis un peu trop bas, c'est ça? Voilà, je suis en plein sur le pont d'Aquitaine. Alors, est-ce que la ville de Gatineau là m'entend là? Gilles, est-ce que tu m'entends? Ouais, ça s'arrête le décalage. Il faut que je descende ou je remonte un peu? Ouais, je teste sur 624.9. Ok, d'accord, je remonte un peu. Et en remontant un peu, je vais tomber juste dans le cran. Hein. Voilà, ok. Voilà, là je suis pile dans le cran. Alors ce qui est étonnant, c'est que Gilles, je l'entends mieux quand je sors du cran juste un poil à gauche. Ah oui, eh bien l'intermédiaire, j'arrive pas à l'avoir, j'ai voulu le régler. Et curieusement, le réglage de fréquence que j'ai à l'intérieur du poste, il ne joue pas dessus. Et pourtant, c'est bien celui-là, il n'y a pas de problème. Là, je sais pas. Je sais pas, il faudra que je voie quelqu'un là pour voir comment régler ce problème. Ouais, ok, ouais. Je te disais tout à l'heure, Daniel, ouais, il te connaît, il travaille avec toi, par là, voilà, avec moi, ça. Et c'est vrai que il m'a mis la liste de plein de collègues avec qui j'ai travaillé quand j'étais au CTR, moi. Ouais, ok. Ouais, tu m'étonnes, ça fait longtemps que je le connais, Daniel. Ça fait depuis 1988 que je le connais. Tiens, aussi, je protectasse aussi. Et j'ai commencé à protectasse, justement. Ben, c'était là, on s'est vu la première fois. Hein, ouais, parce que moi, j'étais quand ils étaient avec Bruges, ils avaient les Algeco là-bas, et je travaillais au CTR, moi. D'accord, ok. Il y a du monde là ici là sur bord d'honneur là en bas du pont d'Aquitaine. Bah, c'est les bouchons habituels. Hein. Ça coince là de tous les côtés là. Ouais, t'as mon chalet, toi, c'est ça? Ouais, affirmatif, ne dis pas là à quel endroit. Je sais toujours là avec la vidéo en route. Hein. Non, je ne dis pas, pas de problème, je ne parle pas l'endroit. Ouais. Non, mais c'était pour savoir, c'est l'habituel. Ouais, voilà, je vais sur le site habituel. Alors, par contre, attends, je ne surmonte personne. Non, c'est bon. Je reviens là ici demain soir, également vendredi soir. Et pour ce mois-ci, ça sera terminé. Je vais également sur un autre site. Ouais, affirmatif, l'autre site il est à 20 km de chez moi. Et là pour le coup là-bas c'est à 20h30 que j'embauche. C'est de la petite vacation de 4 heures. Enfin bon bref, c'est comme ça quoi. Je vois que la sécurité ça va pas changer, voilà.
Ok, au fait, au niveau de mon petit décalage en fréquence, c'était mieux comme j'avais mis tout à l'heure, ou là, de retour dans l'écran? Bon, reste comme ça, c'est mieux, je préfère, reste comme ça. Bon, ok, d'accord, parce que c'est vrai que j'ai pas l'affichage de fréquence, donc c'est un petit peu short. Ok, 73 à plus. Ok, ça marche, bye, bon courage, à plus tard. Merci, et bonne continuité de contact avec les copains et tout. Ok, ciao. Ciao. Tu vois, tu n'avais pas entendu en fréquence, mais la propagation aujourd'hui n'est pas trop bonne, mon ami. Beaucoup, beaucoup de variantes, elle fait beaucoup de yo-yo, très, très capricieuse. Les contacts ne durent pas longtemps, mon ami, aussi. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. C'est pas trop plaisant, mais on vient à bout quand même de renouveler un certain bon contact. Là, pas de problème avec ça, Cédric. Avec ta permission, je vais faire entrer Charlie Papa 070. Cédric, avec ta permission, Christian. Cédric, 73-51 à toi. Du coup,